Chers amis, bonjour, salut les gaillards, salut les gaillards. Donc demain, 18h au Light Second à Zurich, eh bien, Getse nous reçoit. Ils sont 10e avec 5 points de retard sur nous en Super League. Mais attention, Getse, ça reste Getse. Il faut se méfier de nos homologues zurichois. On les connaît. Leur dernier match, une défaite face aux Servettes à la Praille, 2 buts à 0 la semaine passée. Et ouais, les amis. Donc à domicile, Getse reste toujours solide puisqu'ils ont gagné il y a 2 semaines contre Lugano 2 buts à 1 et la semaine d'avant, enfin non il y a 3 semaines, il y a 2 semaines ils ont battu Stade Losanouchi 5-2 et il y a la fois d'avant, donc 5 semaines en arrière, eh bien ils avaient également battu le FC Lugano 2 buts à 1. Donc attention, il reste sur 2 victoires consécutives à la maison. Donc attention à ce grasshopper là. Hein. Donc alors si on veut bien regarder les choses, du côté des absents du Lausanne Sport, donc on aura la malchance de voir que Simone Gripo, Thomas Castella, Chris Cablan et Alvin Sanchez sont tous blessés. Il n'y a pas moyen. Donc voilà. Ils sont blessés. Faudra faire avec. Surtout l'absence d'Alvin Sanchez qui va être un peu embêtante. Pour ce qui est de Grasshopper Lausanne, la dernière confrontation entre les deux équipes au Light Second, eh bien c'était à la Tuilière le 29 juillet. Et ouais, le 29 juillet à la Tuilière, où Lausanne et Getse s'étaient séparés sur un match nul. Un partout, but de Raressilier et Giotto Morandi pour les Zurichois. Les arbitres de la rencontre sont Monsieur Gianforte, Nico Gianforte, Zladan Josipovic et Mirko Burgi. Voilà. Bien sûr, alors on n'est pas en reste du côté de Lausanne, puisque le COP Sud organise un déplacement en train. Ouais, alors donc le départ en train se ferait demain à 14h15 en gare de Lausanne. Et le retour à 23h. Donc, les inscriptions pour faire partie de ce voyage-là, les inscriptions sont obligatoires par message sur les pages Facebook de Lost Boys et la page Instagram du COP Sud. Je me recommande. Si vous voulez aller faire ce voyage en train avec le COP Sud et les Lost Boys, vous devez vous inscrire obligatoirement. Par message sur la page Facebook Lost Boys et la page Instagram du COP Sud. Je le répète 2 fois parce que voilà, 2 c'est jamais assez, 2 c'est jamais trop, surtout quand on fait des annonces, c'est toujours mieux. Donc voilà, alors bon, on verra bien. Un Lausanne Sport qui reste sur 6 matchs sans défaite. Ouais, 4 victoires consécutives et 4 victoires quand même. 4 victoires et 2 matchs nuls, c'est pas mal, moi ça me va. Alors quand je pense qu'on avait bien mal démarré, ça je vous en conviendrai aussi, je nous voyais rester, et pour l'instant on n'est pas sauvé encore. Il reste, les gars, il reste 3 matchs avec celui de demain face à Getse, donc dont un fameux match à gagner, le derby lémanique contre notre meilleur ennemi, le Servette. Eh ouais, il faut tâcher de gagner contre eux. Je pense qu'on peut le faire. Voilà, il faut engranger ce maximum de points. Il ne reste plus que 2 matchs maintenant. 3 avec celui de demain. On est à la limite. On est à la limite. Donc nous sommes 7e pour l'instant. On est encore dans le mauvais wagon. Il faut impérativement gagner. Je dirais les 3 matchs qui vont se présenter à nous. Si on tient à rester dans les 6 premiers et faire partie du wagon intéressant de cette Super League. Donc ça doit commencer déjà demain par une victoire. Il faut absolument gagner demain au Light Second. Les gars, franchement, on compte sur vous. Vous savez pourquoi vous devez aller là-bas. Vous savez pourquoi vous devez gagner. Parce que là, il n'y a pas de retour en arrière. Les gars, faites-moi partie de ces 6 premiers. Parce que je nous imagine mal devoir faire un tour pour rien. Vous, des matchs pour rien, moi, des débriefs pour rien, et les gens, de ce fait, se dire, ben, on va pas aller voir le match, parce qu'on va aller voir un match pour rien. Donc, c'est jamais pour rien, hein, qu'on va à la Tuilière ou qu'on s'intéresse au Lausanne Sport.
C'est jamais pour rien. D'accord? Voilà les amis, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve pour le débrief du match demain entre Grasshopper et le Lausanne Sport, un match qui aura lieu à 18h demain au Leipzig de Zurich. Ciao!